Un discours intolérable et irresponsable. Telles sont les conclusions des professionnels de santé brésiliens après l'allocution du président Jair Bolsonaro mardi soir, qui appelle l'ensemble des collectivités territoriales à lever les mesures de confinement mises en place pour contrer la propagation du coronavirus. Le virus est arrivé et nous y sommes confrontés et il sera bientôt passé. Notre vie doit continuer. Les emplois doivent être préservés, les moyens de subsistance des familles doivent être préservés. Nous devons revenir à la normalité. Quelques États et autorités municipales doivent abandonner la politique de la terre brûlée, l'interdiction des transports, la fermeture des commerces et le confinement de masse. Dans le monde, il est démontré que les personnes à risque sont celles qui sont âgées de plus de 60 ans. Alors, pourquoi fermer les écoles ? Sa prise de parole a été accueillie par un concert de casseroles et de critiques de personnalités politiques et des milieux sanitaires qui dénoncent un discours criminel contraire à toutes les évidences scientifiques. Le président brésilien a même poussé la provocation jusqu'à affirmer qu'il ne ressentirait presque rien s'il était contaminé par le coronavirus en raison de son passé sportif. Plus de 2200 personnes ont été infectées par le Covid-19 au Brésil et près de 50 personnes sont décédées dans le pays en raison du virus, selon un bilan réalisé mercredi.